Spazzatura est un ensemble de musique qui réunit des musiciens et des artistes en fait depuis 2010. Donc c'est un peu un melting pot qui essaie de trouver un langage commun à travers les différentes traditions, les différentes cultures, et qui se veut résolument moderne, qui se veut résolument remettre à la portée de tous un patrimoine qui est fabuleux. Sébastien Fournier, c'est un chanteur, quelqu'un qui est passionné, qui s'est passionné pour la musique très tôt, qui chantait enfant. J'ai découvert que j'avais une voix par la pratique, une voix, où je chantais au-delà de 4 octaves. Et puis cette voix de contre-ténor s'est imposée, cette voix aiguë s'est imposée d'elle-même. On fonctionne, me semble-t-il, avec des croyances. Et ces croyances, malheureusement, elles nous bloquent. Donc plutôt que d'aller chercher une voix particulière, cette voix, je ne l'ai pas choisie, elle s'est imposée à moi. C'était l'endroit où je m'exprimais avec le plus de facilité. Le répertoire, je m'appuie sur le répertoire extrêmement ancien, du répertoire traditionnel, du répertoire qui a traversé un peu les âges. Et grâce à la rencontre de Pierre Bayot, je m'attache à le moderniser. C'est-à-dire que les compétences de Pierre font que, avec ses ajouts multi-instrumentistes, ses influences, son propre, ont rencontré, on va dire, mon expertise baroque, mon expertise de musique ancienne, pour mettre un peu de l'électro dedans et donc rendre ce répertoire Sprezza World accessible partout dans le monde. De Malika apporte une couleur, une ambiance, une actualité, alors bien sûr une énergie, mais ça c'est le propos de la musique, mais au-delà de ça, sa personnalité, ce qu'elle porte, son langage, son discours, tout ce qu'elle a vécu enrichissent considérablement notre environnement musical. Richard, il est malgache, c'est assez incroyable la qualité de la musique qu'il porte. C'est-à-dire qu'on dirait que lui aussi, à travers son vécu, il a fait les sommes de la connaissance de son temps en termes de piano et qu'il est capable de restituer aussi bien des couleurs orientales que du Debussy, du Ravel ou des choses complètement jazz, actuelles, 20e. Et il fait ça avec une légèreté, ses mains courtes sur le piano, c'est un vrai bonheur de l'entendre. Stéphane joue de la contrebasse. Et cette contrebasse, il sait la faire vibrer parce qu'il est prof. Il a une grosse formation classique, il écrit, il réarrange, il organise des spectacles, il dirige. Donc on a un musicien qui est complet dans le domaine du classique avec une véritable expertise des musiques du monde et des musiques jazz, des musiques de scène. C'est un peu une bête de scène. Donc il féconde tout ça avec un rythme et une légèreté, on pourrait dire que sa contrebasse rebondit. Ça c'est assez extraordinaire. Oh,
J'ai la faiblesse de croire que la musique est le langage parfait par excellence. C'est sans doute la vie, les expériences que j'ai vécues, qui me l'ont raconté à chaque fois. Dans tous les pays, on est accueilli quand on fait de la musique. La langue est peut-être une barrière, mais pas la musique. On dit que la musique, c'est écouter, se rassembler, faire des choses ensemble, construire, harmoniser. Oui, on dit aussi que c'est être bien avec soi, être bien avec les autres. Ça passe par la valeur de l'échange. Alors, on échange. Donc, je te donne, tu me donnes, tu m'écoutes,